Et salut, on se retrouve pour le dernier objectif 5 sur 5 de l'étape 5 pour les 24 heures du Mans. Et il y a quelqu'un qui nous a rejoint, c'est... Mister E! Et Mister E nous a rejoint, voilà, lui qui farm aussi de temps en temps pour qu'on gagne des PO. Alors du coup, c'est la dernière étape et du coup, bah, il va Ah falloir que l'on termine 7e avec une vitesse moyenne de... 249 km/h. Tout en sachant que, parce que comme tu viens de me rejoindre, tu ne sais pas dans quel état est la voiture. Elle a carrément plus de roues. Elle est C'est ça. dans le plus que rouge. Voilà. Donc on va tester ça. Donc On elle a va. plus elle a plus que les jantes, quoi. Ouais, Elle a c'est plus ça. Elle de roule sur les jantes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle a plus de frein, elle a plus rien du tout. C'est sûr qu'elle va pas monter à 249, hein. Bah si, elle monte jusqu'à 303. Maintenant, on va voir si on arrive à tenir la moyenne. Allez. Et c'est la moyenne. Donc, tout à fait. Et Donc faut déjà, il déjà faut avoir remonter. une. Alors, je sais pas combien, je sais pas d'où on va partir. Mais c'est qui? Ah, il y a Magnus, il y a Zoé, enfin des. Ah! Toujours la C'est même. qui Zoé en fait? Mais tu la connais, tu l'as déjà vue dans d'autres courses. Allez, on termine. On est combien tième là? On est neuvième. Et on a deux tours à faire. Ouf, ça tape un peu là. Juste être devant Zoé. Oui, mais il faut surtout augmenter la moyenne, tout simplement, avec une voiture qui est dans le rouge. Donc on va tenter le coup. Ah, et puis elle glisse depuis tout. Même temps, elle est dans le rouge, c'est normal. Ben oui, non mais on est d'accord, on est Je d'accord. pense que dans la ligne droite, tu vas pas voir. Je ne vais pas pouvoir la rattraper dans la ligne droite, ça c'est sûr. Ce qu'on disait déjà dans une précédente vidéo, c'est que bah, justement c'est dans la dernière partie du circuit où en fait c'est possible De dépasser, de ouais. dépasser facilement. Surtout Ah, avec les quoique. 24 heures du Mans. J'ai un peu d'élan là, mais. Ouais, c'est chaud là, c'est chaud. Mais moi, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est ici où tu vas pouvoir faire avoir la moyenne validée. Peut-être, peut-être. Ouais, je dis ça, je dis rien. Magnus qui te Ah, une colle là, colle. oui, une colle. Ah, j'ai mon moyenne qui descend. Allez, là, on va Ah ouais. remonter tranquillement. Ah, t'es bloqué. 27, 6, Ah, mais là, c'est surtout sept, Magnus que j'essaie de bloquer pour pas qu'il huit, double. Parce que déjà neuf, que l'autre s'échappe devant. trente. Bon, là, c'est bon, comme je freine un peu plus tard que lui normalement. Oh. C'est bon. Voilà. Là, je Je crois que pense t'as que un peu c'est coupé, jouable, mais non? ça va être vraiment, 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 vraiment juste à mon avis. Je pense aussi. 230, vous voulez faire combien? 249. Faut faire 250 pour ça, on a de la marge. C'est ça. Enfin, un peu de marge. T'as la voix dans Ah, le. on a deux tours à faire, tiens, fais attention. Et ce tour, c'est ça? Ah, je n'avais pas du tout fait attention. Oui, donc du coup, c'est encore plus difficile parce que Magnus, lui, Il va pas il va attendre. pas attendre derrière nous très longtemps. Faut tenir. Faut tenir, comme tu dis. Et il faut dépasser en plus Zoé. Donc C'est quand tu ça. dépasseras Zoé, si tu la dépasses, Ah, bah, il faudra tenir encore. bah faudra tenir encore plus. Encore plus, tout à fait. Ah, puis il y en a un autre derrière encore. Un autre fou furieux derrière. Alors, fou Fou furieux, non, il n'est pas furieux. fou furieux parce que lui, il roule normalement. Avec une voiture en bon état. Mais c'est toi le fou furieux. Gage, il a dépassé l'autre. Magnus. Magnus, des fois, il est pas très fort hein, dans les coups. Oh, ça bouchonne derrière. Hein. Je me concentre. Je crois qu'elle a Attention 400 parce que mètres. là, ça va déraper. Là, tu peux passer sans freiner. Ah Tu non sais que des mais fois, là, avec les 24 heures du Mans, je passe à fond. Je freine même pas, tu vois. Le frein n'existe même plus. oui je sais mais avec celle-là avec les pneus tu vois voilà ça glisse. Eh oui. Je coupe? Allez je coupe. C'est pas bien ce qu'on fait là. Mais bon, faut rattraper. On l'a rattrapé un petit peu par rapport à
Ouais. Effectivement, Zoé. Ouais, enfin Zoé. Et la vitesse, on est encore loin de la Quand elle perd un peu de distance, elle en regagne après à côté. Dans les virages, elle en gagne. Puis après. Tout à fait. Ce qui est bien, c'est que quand elle passe dans le virage, ben, elle, y a moins de distance entre nous. Bah, logique. Mais après, quand elle réaccélère, t'as plus rien. Non, c'est clair. Alors, par contre, on a quand même réussi à semer les autres derrière. Semeur de troubles. Ouais. Tu peux mettre la vue interne juste pour voir où ça ressemble. Parce que j'ai même pas vu. Je... Ah oui, c'est une voiture, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, est-ce que cette année elle va faire les 24 heures du mois? Oui, elle va faire les 24 heures du mois cette année. Allez, on est loin de nos 249, on est loin de pouvoir rattraper Zoé, et on en a un qui arrive derrière à fond la caisse. Où Zoé? Elle est loin. Ni sur la map, ni tout au bout. Arriver à faire un super saut, tu vois. À derrière de l'autre côté. Allez. Allez. Ouais, donc. Bah donc hein, je pense qu'on va, en conclure qu'il faut une voiture qui soit en parfait état. Pour pouvoir. Enfin parfait état. Du moins qu'il soit au moins dans le vert. Pour pouvoir terminer cette course, au moins on l'aura testé. Et parce que dans le vert, c'est la même chose que quand t'as toutes les barres remplies. C'est ça. En vert, ou quand t'en as plus qu'une demi. C'est la même chose. Donc. Allez, gagne. Vas-y, rattrape. Voilà, c'est foutu. Oui, mais il faut quand même le tenter. Il faut quand même le tenter, sinon c'est pas drôle. Et bon, même si tu perds, au moins ta voiture ne perdra pas de... Ah, ça c'est sûr que... Ça sera pas encore plus endommagé. Oh, maintenant il y a Magnus qui va... Ça glisse, en fait. Oh là là. Oh, et tout le monde qui te dépasse, là. En fait, il y a combien de pilotes là-dedans? Vraiment, bon, là, il faut avoir une voiture très abîmée. On va terminer... C'est une voiture quand même. En mode n'importe quoi. En mode n'importe quoi, c'est quoi ce truc? Ah, le mode n'importe quoi, ça veut dire que maintenant là, je. On va faire du stock car, on va pousser, on va. Oh là là, et qu'est-ce qu'ils veulent me faire là? Les deux côtés, ils veulent passer. Attends, fais-en juste passer un pour que je vois, parce qu'il y a une voiture qui me semble bizarre. Ah, il y a une Porsche, et l'autre, je sais pas ce que c'est. Ah, l'autre, ça doit être une Vanquish à mon avis. Ah, fait passer. Ah bah, on va bien terminer là, 19e. Alors là, chapeau. L'accrochage était de toute beauté, l'accrochage. Faut être fort. Je pense que là, tu vas terminer 18e. Non, 17. Allez, 17. 17e. Oh bon. Le devant est beau, mais j'aime pas trop le derrière. Alors, quand même 26 000 crédits. Alors, les bonus de course propre, ça, je pense qu'à mon avis, ça va dégringoler, mais quelque chose d'assez phénoménal. Bon, conclusion. Ouais, enfin, t'as perdu 1 000. Voiture dans le. Ben, plus que dans le rouge. Ouais. C'est plus, pas la peine. Plus de pneus, plus de pilote, plus rien. Alors. Voilà. Ok, donc du coup, Zoé a terminé 7e. C'est qu'on va lancer la révision. On va réduire toutes les pubs. Alors je vais vous passer hein, les pubs, hein, on va pas les regarder ensemble. Et puis on se retrouve juste après en espérant que bah, qu'on ait pu qu'on puisse relancer la voiture tout de suite. Allez. J'espère. Voilà, ça y est, on se retrouve avec une voiture qui est dans le vert, complètement dans le vert. Et on va relancer donc. Ça fait du bien de voir du vert. Oui, oui, bah oui, un petit peu quand même. Le rouge, c'est pas bien. Donc, même si objectif, objectif, terminer 7e avec une moyenne de 249 km/h. Voilà. Allez, ah c'est ouais. Enfin là, on voit quand même que ça monte plus. Hein. Ah oui, quand même. Ouais, enfin, je pense que là, tu vas le faire les doigts dans le nez. Bah, j'ai une IPL qui est assez, assez la preuve d'ailleurs, on l'a vu déjà. Hein.
Voilà. Elle double déjà, elle. Oui, c'est vrai. Enfin, les premiers, je pense pas que tu vas arriver à les rattraper et terminer premier, parce que bon, termine septième. Bah, je sais oui, pas parce mais que... je sais même pas où ils sont les premiers. Non, mais non, non, c'est pas ça. C'est qu'il y a marqué terminer septième avec 249 de moyenne. Donc, ok, terminer septième, 249 de moyenne. Je sais pas si on peut terminer mieux que septième. Parce que c'est pas au moins septième. Voilà. Et donc 249 de moyenne. Donc on va faire ce qu'on nous dit. Mais après, mais j'ai une question. Est-ce que tu comprends quelque chose dans les courses NASCAR ou les courses où il y a beaucoup de monde? Parce que le classement, il est juste incompréhensible. Moi, je sais même pas qui est le premier, qui est le dernier. Mais si, tu le sais. Simplement, quand tu doubles des jambes, au bout d'un moment, effectivement, bah, tu te... Mais c'est qui le premier? Bah, qui le premier, c'est celui qui termine le premier, et puis le dernier, bah, c'est celui qui est derrière. Non, mais dans le classement. Ah, tu parles de l'affichage du classement? Oui. Oui, les colonnes, mais effectivement. Là, il y a bien quelqu'un qui se promène là-haut. Bah oui, bah, il y a du monde devant. Logique. Voilà. Mais t'avais dit qu'il y avait personne. Mais si, on est septième, donc il y en a six devant nous. Il y en a six devant nous, ça c'est pas le problème. Mais. Ce que je disais, c'est que je ne sais pas si on en peut doubler du monde. Ça y est, on est à 249. On est même à 250. Peut-être même plus, je fais attention pour l'instant. Là, quand on dépasse la moyenne là, qui est affichée, ça veut dire qu'on va nouveau, on va monter. T'as pas compris? Ouais, je suis... Ah, j'ai failli sortir trop large. Tu vois, là, quand on va dépasser 251, oui. Là, ça va commencer à monter. Là, ça va monter, tu vois. Oui. Là, ça va monter. Ça va monter, ça va monter. Oui. Oh, on est quand même à 335. J'ai pas regardé la vitesse de pointe de la voiture. C'est intéressant. Voir par rapport à une Regera. Mais je pense que la Regera... elle envoie du lourd parce que j'étais monté à 438 430 ou 440. J'avais fait péter le chrono. Ouais, et non, mais t'avais battu la vitesse de pointe. Hein. Exactement, tout à fait. Et moi j'essaye de battre des vitesses de pointe, donc des Ford Focus RS, les trucs nuls. Mais non, tu sais, dans la ligne de Spa, Francorchamps. Oui. À la fin, j'essaye. Dans la ligne de mon panorama à la fin, la grande ligne droite. Exact, en descente. Je prends pas le virage, je fonce tout droit dans la herbe. Ah oui. Et je me cogne au mur. Oui. Mais pour voir sa vitesse de pointe. Comme les vidéos que nous avions faites, des speed tests sur Forza Horizon. Oui. Voilà, pour voir quelle était la vitesse de pointe maximale de attends, je rêve ou c'est des. Oui, c'est des prototypes. Oh oui. Et ça, c'est une GT. Exact. Grand Tourisme. Exact. J'ai appris dans mon livre de l'automobile. Donc on va. Comme quoi ça sert. On va doubler des protos. Non, on va pas faire ça. On va rester derrière. On va les regarder. Regarde ça, c'est une super vue. Je me demande laquelle est devant celle-là. Super. Mais est-ce que t'as déjà fait là-dedans des courses avec des prototypes, toi? Oui. Les épreuves d'hier n'étaient qu'avec des protos. Ah ouais, même pas avec celle-là. Et non, pas avec celle-là. Du coup, il n'y avait que et des protos. Et t'as conduit quoi? Ah, il y avait de tout. Je sais plus, il y avait de l'Audi, il y avait de l'Audi, il y avait de la Nissan. Ah ouais, la Nissan, elle est trop belle. La Nissan rouge, tout à fait. Oh, je l'adore, cette voiture. C'est quoi, tout? Approche-toi un peu. Ah, ça, je crois que c'est une Audi, ça. Ça, je crois que c'est une Audi. Non, ça doit être une Porsche. Alors on peut pas par contre comme sur les consoles pour l'instant voir sur le côté, mais ça viendra peut-être, c'est la main de tête. Moi ça sera bien, tu vois, avec deux doigts tu tournes la voiture. Exactement. Mais après faut mettre sur pause parce que si tu tournes et qu'après tu te cognes contre le mur, ça va pas aller. Alors c'est quoi? Porsche. Porsche, voilà. Ah, bah, c'est ce que je t'ai dit. Eh ben, c'est la 919 hybride. Voilà. Mais il y a une version 2015 ou 2016, je crois. Normalement, oui. Et aussi une Porsche comme ça, noire et blanche. Elle est juste magnifique.
Ouais, on la colle, celle-là. Regardez-moi cette vue magnifique. On voit même le... ce qu'il y a écrit sur le pneu. Tu vois, tourner. Enfin, quand on était plus près, tu vois. Les mouches tombent, là. Ah oui, là, ça. Là, c'est du silence. Mais Ford, c'est quoi? C'est quel pays? L'Aïka. Parce que je vois... Le drapeau quoi? Le drapeau devant, c'est français, on est d'accord. Ah oui, sur le pare-choc. Oui, sur le pare-choc, voilà. Oui, tu me faisais peur là, je dis que tu connais plus le drapeau français. Si, je le connais encore, c'est bon, je le connais. Tu le connais, oui. Alors, on est à 251, c'est là que tout va se jouer. Ah! Faut que tu dépasses le chiffre. Le nombre. C'est bon, là, normalement, tu tombes. Changer de vue, c'est pas ce qu'il y a de mieux quand on a un objectif à réaliser et une course comme ça à faire. Alors là, effectivement, c'est juste le fait d'enchaîner super vite les virages et de repartir. Mais non, fallait pas le dépasser, mec. Hey, super. Mais fallait terminer au moins à la 7ème place. Mais il nous met pas 10, ça. Bon, allez, on a réussi. Mais vraiment, ils expliquent mal. On a, je sais pas, gagné. Alors, 7000, c'est pas mal. Par contre, effectivement, on gagne pas mal de réputation. On va peut-être pouvoir changer de niveau assez rapidement, en farmant un petit peu. Je pense que là, il est dans le rouge. Donc, du coup, on a terminé tout ça. Un petit coup de replay. Attends, reviens. Je crois que la première, c'était une Nissan. Non, la Nissan, non, c'était pas Nissan. Voilà, donc on a terminé cette cinquième journée d'épreuve. Donc j'espère que ça vous a plu. On va terminer là-dessus. On va bien évidemment lancer la réparation. Ah, j'adore cette vue. Lancer la réparation de cette voiture. Et on va farmer pas mal pour pouvoir changer de niveau parce qu'il nous faut des PO, il nous en faut un max. Voilà, n'hésitez pas bien sûr, n'hésitez pas à laisser un like, ouais. N'hésitez pas à partager un maximum la vidéo, à laisser des commentaires pour dire ce que vous en pensez. Oui. Et puis ben, on se retrouve demain pour la suite des aventures. Allez. On a vu des flammes sortir des pots d'échappement. Ah oui, ben, mais tu m'étonnes. Ouais. Regarde ça. Elle est belle. Ouais. Magnifique. Allez. On y va? Ouais. Allez, ciao. À bientôt.